إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de la calomnie et l'innocence de Aïchatou radiallahu anha. Commençons le récit, le hadith. Al-Bukhari rapporte, d'après Urwah ibn Az-Zubayr, Sa'd ibn al-Musayyab, Al-Qamah ibn Waqqas al-Laythi, et Ubayd ibn Abdillah ibn Utbah, ce récit d'Az-Zuhri au sujet de la manière dont Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut accusée par les calomniateurs avant d'être innocentée par Allah subhanahu wa ta'ala. Az-Zuhri affirme, chacun d'eux m'a relaté une partie de son histoire, mais certains l'avaient mémorisé mieux que d'autres. J'ai retenu de chacun le récit que lui-même tenait de Aïcha. Et la narration des uns confirme celle des autres. Tous relatent que Aïcha a dit, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, décide de partir en voyage, il procédait à un tirage au sort entre ses épouses pour décider de celle qui allait l'accompagner. Or, le tirage me désigna pour accompagner le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au cours de l'une de ses expéditions militaires, après la révélation du Ayatul Hijab, verset du Hijab. Je voyageais donc dans un palanquin où je demeurais également lorsque nous campions. De retour de cette expédition, à l'approche de Médine, le départ fut annoncé dans la nuit. En attendant que notre départ était imminent, je me levais et m'éloignais du campement pour faire mes besoins. Puis, je me dirigeais vers mon palanquin. Mais posant ma main sur ma poitrine, je me rendis compte que mon collier d'onyx s'était détaché. Je retournais donc sur les lieux à sa recherche et m'attardais. Pendant ce temps, les hommes chargés de mon palanquin le placèrent sur mon chameau, pensant que je m'y trouvais. À cette époque, les femmes étaient légères et non grasses comme aujourd'hui, car elles mangeaient peu. Les hommes ne furent donc pas surpris par la légèreté du palanquin lorsqu'ils le soulevèrent et le chargèrent sur le dos du chameau, d'autant que j'étais encore une jeune fille. Ils prirent donc la route avec l'armée alors que de mon côté, je retrouvais mon collier. De retour à l'endroit où l'armée avait campé, je ne trouvais âme qui vive. Je décidai alors de regagner l'endroit où j'avais campé en me disant que les gens se rendraient bien compte de mon absence et viendraient m'y chercher. Je m'assis alors à cet endroit où je fus gagné par le sommeil. Or, Safwan ibn Mu'attal al-Sulami al-Dakwani se trouvait à l'arrière de l'armée. Alors, il arriva à l'endroit où je me trouvais. Distinguant une silhouette étendue sur le sol, ça veut dire que c'était un grand dormeur, il se dirigea vers elle. Or, il m'avait vu avant que le voile ne nous soit imposé. Ces mots, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » en vérité, nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous retournerons. Il prononça en me reconnaissant ma rachère de mon sommeil. Puis il força son chameau à s'agenouiller et mit le pied sur ses pattes antérieures, me permettant ainsi de m'installer sur le dos de sa monture.
le prime la route, lui à pied conduisant le chameau et moi sur la monture. À midi, nous étions en vue de l'armée qui campait pour se protéger de la chaleur ardente. Certains prononcèrent à mon sujet des paroles qui causèrent leur perte. Abdallah ibn Ubay ibn Saloul étant à l'origine de la calomnie. De retour à Médine, malade, je gardais le lit durant un mois. Sans que je le sache, les gens ne cessaient de colporter les accusations des calomniateurs. L'attitude du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au cours de ma maladie, il était moins prévenant que d'habitude, m'étonna. En rentrant chez moi, il se contentait de me saluer puis de demander aux autres. Comment va cela? Mais je ne savais pas quel était le problème, jusqu'au jour où je quittais le lit. Mon mistar m'accompagna à l'extérieur de la maison, à Manasse, où chaque nuit nous allions faire nos besoins avant que les toilettes ne soient installées à proximité de nos maisons. À l'époque, comme les Bédouins, nous faisions nos besoins dans la nature, je partis donc avec Oumou Mistah, la mère de Mistah, qui était là, fille d'Aboul. Sur le chemin de retour vers la maison, Oumou Mistah trébucha en se prenant les pieds dans sa robe. Elle s'exclama, « Que Mistah soit perdu !» Je lui dis, « Quelle mauvaise parole viens-tu de prononcer ? Vous dis-tu un homme qui a participé à la bataille de Badr ?» Elle dit, malheur à lui, n'as-tu pas entendu ce qu'ils disent? Elle me rapporta alors les accusations que les calomniateurs proféraient à mon encontre, ce qui aggrava ma maladie. De retour à la maison, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arriva et me salua avant de demander. Comment va cela? Je lui dis, autorise-moi à me rendre chez mes parents. Je voulais alors m'assurer auprès d'eux de la nouvelle que je venais d'entendre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'y autorisa. Arrivé chez mes parents, je demandai à ma mère de quoi parlent les gens. Ma mère me répondit, calme-toi, ma fille, car par Allah, il est bien rare de voir une femme chaste et belle, aimée de son mari, et qui a des concubines sans que celle-ci ne trouve de reproches à lui faire. Je dis, subhanallah. Pureté Allah, déjà parle-t-il vraiment de cela? Mes larmes ne cessèrent de couler jusqu'au matin et je ne pus fermer l'œil de la nuit. Le lendemain matin, alors que la révélation tardait à descendre, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, consulta Ali ibn Abi Talib et Usama ibn Zayd au sujet de mon éventuelle répudiation. Usama ibn Zayd fit part au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de toute l'affection qu'il éprouvait pour sa famille. Il dit, « Messager d'Allah, il est ton épouse et nous ne savons que du bien d'elle. » Ali ibn Abi Talib, pour sa part, il dit, « Messager d'Allah, Allah n'a pas limité le nombre de tes épouses, il y a bien d'autres femmes qu'elle. Si tu interroges son esclave, elle te dira la vérité. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fit donc venir Balira et l'interrogea. « Balira, as-tu vu quelque chose de douteux dans le comportement de Aïcha ?» Balira lui répondit, non, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, le plus grand reproche que l'on puisse lui faire est qu'elle est une jeune fille qui s'endort parfois à côté de la pâte à pain de sa famille que les animaux viennent alors manger. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se leva ce jour-là au milieu des musulmans et réclama vengeance contre Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il dit, « Musulman, qui me vengera et me préservera d'un homme qui s'est attaqué à ma propre famille ? Par là, je ne connais que du bien de ma famille. » Et les gens mentionnent un homme dont je ne connais que du bien et qui ne rentrait chez moi comme ma compagne. Car Ibn Mu'adh se leva alors et dit, « Je te préserverai de lui, messager d'Allah. S'il appartient à la tribu d'Al-Aws, nous lui trancherons le cou. S'il appartient à la tribu de nos frères Al-Khazraj, ordonne-nous et nous t'obéirons à son sujet. » Saad ibn Ubadah, le chef de la tribu de Khazraj, se leva à son tour. C'était un homme vertueux, mais poussé par son esprit de clan, il dit à Saad ibn Mu'adh, « Par Allah, tu mens, tu ne le tueras pas et tu n'en seras jamais capable. » Puis, Usayd ibn Hudayr, le cousin de Saad ibn Mu'adh, se leva et dit à Saad ibn Ubadah,
Tu m'en parles, le tueur, tu es un hypocrite qui prend la défense des hypocrites. Les deux tribus, Al-Aws et Al-Khazraj, se lancèrent alors l'une contre l'autre, prêtes à s'entretuer alors que le messager d'Allah, sort d'Allah, wa alayhi wa sallam, se trouvait sur le minbar. Il en descendit pour calmer les esprits. Lorsque le calme fut revenu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, garda le silence. Aïcha poursuit son récit. Ce jour-là, mes larmes ne cessèrent de couler et je ne pus trouver le sommeil. Le matin, mes parents se trouvaient auprès de moi. Je pleurais tant cette journée et cette nuit que j'ai cru que mes pleurs allaient me prendre le cœur. Puis alors que j'étais en larmes, mes parents assis à mes côtés, une femme des Ansar demanda la permission d'entrer pour me voir. Je la reçus. Elle s'assit et se mit à pleurer avec moi. À cet instant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fit son entrée, me salua et s'assit près de nous. Pour la première fois depuis le début de la rumeur, il s'asseyait près de moi. Un mois s'était déjà écoulé et aucune révélation n'était descendue à son sujet. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récita le tashahoud avant de me dire « Aïcha, telle et telle chose m'ont été rapportées à ton sujet. Si tu es innocente, alors révélera ton innocence. Mais si tu as commis un péché, alors demande pardon à Allah et réponds-toi car lorsque le serviteur d'Allah confesse son péché et se repent, Allah accepte son repentir. » Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit ce qu'il avait à dire, mes larmes cessèrent de couler. Je ne sentais plus une seule larme dans mes yeux. Je dis à mon père, réponds pour moi au messager d'Allah. Il dit par là, je ne sais que dire au messager d'Allah. Je dis alors à ma mère, réponds pour moi au messager d'Allah. Je dis alors à ma mère, réponds pour moi au messager d'Allah. Elle répondit par là, je ne sais que dire au messager d'Allah. J'étais une jeune fille qui ne connaissait pas beaucoup le Coran. Mais je dis par Allah, je sais que vous avez tellement entendu cette histoire que vous y croyez maintenant. Aussi, si je vous dis que je suis innocente et Allah sait que je le suis, vous ne me croirez pas. Par contre, si je confesse quelque chose et Allah sait que j'en suis innocente, alors vous me croirez. Par Allah, je ne trouve pas de meilleur exemple à suivre que celui du père de Youssouf quand il dit قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qui peut appeler au secours contre ce que vous racontez. Surat Yusuf, verset 18. Puis je me détournai et m'étendis sur mon lit, avec l'espoir qu'Allah révèle mon innocence. Mais par Allah, je ne pensais pas qu'il révélerait des versets à mon sujet. J'étais à mes yeux bien trop insignifiante pour que le Coran parle de moi. Néanmoins, j'avais bon espoir que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fasse un rêve dans lequel Allah révélerait mon innocence. Par Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'eut pas le temps de quitter sa place, et personne ne put quitter la maison, quand Allah faisait descendre une révélation sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se trouva dans l'état qui était le sien au moment où il recevait la révélation. Des gouttes de sueur comme des perles ruisselaient sur son corps, même en hiver. Lorsque la révélation cessa, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sourit. Ses premiers mots me furent adressés. Il dit, « Lou Allah wa Isha. » Ça veut dire « dit Alhamdulillah ». Car Allah a révélé ton innocence. Ma mère me dit « Lève-toi et rejoins-le ». Je dis « Par Allah, je ne le rejoindrai pas et je ne l'aurai qu'à Allah ». Allah de Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, avait révélé les versets débutant par « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. La tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khayrun lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm. Walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adhim. En vérité, ceux qui ont propagé la calomnie sont un groupe d'entre vous.
Ne pensez pas que ceci est un mal pour vous, mais c'est plutôt un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il a acquis comme péché. Et celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part subira un énorme châtiment. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leur accusation quatre témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Yes, été la grâce de Allah sur vous, et ça veut dire encore ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurez touché par cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Quand vous entendez la nouvelle avec vos langues et des yeux de votre bouche et des yeux de votre bouche, ce dont vous n'aviez aucun savoir et vous le pensiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, cela est énorme. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Et pourquoi lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas, nous ne devons pas en parler, gloire à toi, سبحانك, ô Allah, c'est une énorme calomnie.